toujours. Et qui donc travaille dans l'APF. Oui, nous travaillons pour APF France Handicap. Voilà. Voilà. Donc merci à Alice de nous avoir conviés à faire une présentation très synthétique de toute la question de l'aide humaine. Donc pour nous, c'est de l'accès au droit jusqu'à comment on s'organise une fois qu'on a pu obtenir une prestation de compensation des conséquences de son handicap. Donc rapidement, je m'appelle Emmanuel Loustalot, je suis directeur du pôle conseil aide humaine en Occitanie. Donc comme c'est indiqué, je m'occupe de toutes ces questions-là pour l'ensemble de mes collègues des structures et établissements en Occitanie. Et je suis accompagné par Cindy. Donc bonjour, donc je suis responsable de développement mandataire à APF France Handicap. Alors je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va avoir l'occasion pendant la présentation de parler de ce mode de ce mode-là. Voilà. Alors pour commencer, je vais vous parler de la prestation de compensation du handicap qu'on appelle la PCH. Donc c'est une aide financière qui est destinée à couvrir tous les besoins liés aux conséquences du handicap. Donc on a vu ce matin, par exemple, les aides techniques qui étaient présentées. Donc il faut savoir qu'en fait, cette prestation permet d'avoir des financements pour financer des aides techniques. Ça peut être aussi voilà, des aménagements du véhicule, du logement, etc. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les aides humaines. Voilà. Donc l'idée, c'est que c'est une prestation qui permet de financer le recours alors, à une auxiliaire de vie ou à un aidant familial. Voilà. Sachant que ce financement, il peut couvrir une aide humaine 24 heures, jusqu'à 24 heures sur 24, voire même plus. On peut même avoir, dans certains cas, quand la situation le justifie, le financement pour avoir même deux intervenants à un même moment, voilà, quand les besoins de la personne le justifient. Voilà, des petites précisions. Quand vous obtenez la PCH, on vous reconnaît un nombre d'heures, voilà, par jour pour avoir la présence d'un aidant. Et il faut savoir que si votre handicap évolue, vous pouvez faire réévaluer à tout moment ces heures d'aide humaine que vous avez obtenues. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir parce que voilà, une décision qui a été rendue sur vos heures PCH n'est pas définitive. Vous pouvez la réévaluer quand vous en avez besoin. Et l'autre chose, alors ça c'est une nouveauté, donc la PCH a été créée en 2005, hein, mais en 2020 on a une loi qui est venue apporter une amélioration sur cette prestation, parce qu'il faut savoir que désormais, quand votre handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, vous avez un droit PCH à vie, voilà. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de refaire votre dossier au bout de quelques années, parce que sinon c'était une aide qui se renouvelait voilà, au bout de quelques années. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Alors si vous avez des questions, juste pour vous préciser, on va revenir sur un atelier en fin de journée. Voilà, parce que là on est sur une présentation assez synthétique, mais voilà, n'hésitez pas aussi voilà, à revenir en fin de journée pour poser vos questions sur ces dispositions-là. Alors, la demande de PCH aide humaine. On vous a fait le circuit. Vous voyez là, c'est toute la beauté, la complexité de l'administration entre le moment où vous allez déposer le dossier, le moment où il y aura une instruction de la demande, et puis il y a le moment charnière qui est l'évaluation des besoins. Donc là, c'est une équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui vient évaluer vos besoins et c'est le point de départ de là où va se jouer la réponse. Est-ce que vous allez avoir une réponse à la hauteur de vos besoins ? Je peux vous dire qu'au fil des années, c'est malheureusement de plus en plus compliqué. S'il y a quelques années, dans le département dans lequel je travaillais, on a pu avoir une centaine de personnes qui ont eu de l'aide humaine 24 heures sur 24, ça devient de plus en plus complexe. Voilà. Donc une fois qu'il y a ça, il y a une proposition qui vous est faite, que vous pouvez contester, et puis après la décision, il y a encore la question du recours. Alors tout le propos, nous, de notre travail, et on vous présentera le réseau aussi au niveau national, c'est d'essayer d'accompagner les personnes dans l'ensemble de ce schéma, de cette demande, bien avant de déposer le dossier, et puis surtout de préparer la question de l'évaluation des besoins, parce qu'il ne peut pas y avoir que la lecture, que la vision de l'évaluateur. Il est indispensable que vous soyez préparé à poser, vous aussi, vos demandes et aspirations. Donc pour cela, au fil des années, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on fait ce travail d'accompagnement, on a mis en place un petit guide, un outil d'auto-évaluation pour se préparer, être capable le jour de l'évaluation de poser les choses, parce que s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça, c'est monstrueusement stressant.
Voilà, donc plus on va se préparer, mieux ça se passera. Et puis cet outil va vous servir aussi peut-être après à préciser en quoi vous n'êtes pas d'accord vis-à-vis de la proposition. Et puis dernière étape, qui est selon moi maintenant la plus importante, c'est ce qui va se passer quand vous allez aller en CDAPH. Donc c'est la commission des droits et c'est la commission qui va prendre la décision. Vous avez le droit d'y aller, vous devez y aller, et mieux vous serez préparé en amont, moins l'écart avec vos besoins sera grand. Voilà. Donc comme on aura beaucoup de temps de questions, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Alors là, on arrive sur l'étape où vous avez obtenu votre PCH aide humaine et tout l'enjeu, c'est comment je peux organiser mon aide humaine. Donc vous avez trois façons de l'organiser. Alors tout ce que je vais dire, attention, ce sont des généralités. Voilà. Tout n'est pas vrai dans tous les cas, mais en tout cas, c'est ce que les personnes en situation de handicap nous font remonter globalement. Donc on vous propose une petite lecture, voilà, un peu avantages, inconvénients, et puis en bref, qu'est-ce qu'il faut en penser. Donc vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle un service prestataire. Donc là, en fait, c'est un service qui va vous mettre à disposition des auxiliaires de vie. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, vous avez un service qui va s'occuper de tout, de trouver les auxiliaires de vie, de les former s'il y a besoin, etc., de faire les plannings, de les remplacer si elles sont absentes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce mode d'organisation. Les inconvénients que nous pointent souvent les personnes, c'est que, comme le service s'occupe de tout, vous n'avez pas toujours la liberté de choix. Voilà. En tout cas, des fois, votre choix va être contraint. Si tout le monde veut une auxiliaire de vie le matin à la même heure, des fois, ça coince un petit peu, par exemple. Et donc, vous allez peut-être avoir une auxiliaire de vie qui intervient à un horaire qui vous convient moins bien. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Ce que nous renvoient aussi les personnes, c'est le turnover. Voilà, on est sur un métier qui est quand même relativement difficile. Et souvent, c'est compliqué d'avoir toujours la même auxiliaire de vie qui intervient auprès de vous. Donc en conclusion, le service prestataire, vous êtes serein parce que tout est géré. Vous n'avez pas à vous en occuper, mais vous êtes contraint parce que tout est géré à votre place. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire appel, mobiliser ce qu'on appelle l'emploi direct. Donc là, vous êtes employeur de vos assistants de vie. Donc là, vous choisissez tout. Vous choisissez qui vous recrutez, vous faites les plannings, vous définissez les tâches que vous confiez à vos salariés. Voilà, donc ça, c'est le principal avantage. Alors après, en termes d'inconvénients, quand on est employeur, on prend toujours un risque juridique et notamment le risque des prud'hommes, voilà. Puisqu'en cas de tension avec un salarié, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous pouvez finir au tribunal des prud'hommes. Et puis, l'autre inconvénient, c'est le risque de rupture d'aide humaine. Là où en service prestataire, si l'auxiliaire de vie, par exemple, est en arrêt de travail, et que ça n'a pas été prévu, évidemment, le service va pouvoir organiser le remplacement. Là, en emploi direct, comme vous êtes l'employeur, vous allez devoir vous gérer l'absence de votre salarié et du coup organiser son remplacement. Donc, en conclusion, l'emploi direct, vous décidez, vous avez la maîtrise de l'organisation de cette aide humaine, mais vous devez assumer tout seul les risques qu'on vient de voir. Et puis ensuite, il y a une autre solution, c'est l'aidant familial. Alors on a mis dédommagé, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la PCH, vous pouvez obtenir un financement pour dédommager votre aidant familial. Donc il va percevoir une somme. Donc l'avantage de l'aidant familial, c'est que vous vous entourez de personnes de confiance, que vous connaissez, des membres de votre famille, et il n'y a pas de lien de subordination. Vous n'êtes pas l'employeur de votre aidant familial. Par contre, en termes d'inconvénients, donc il y a le risque d'épuisement des aidants familiaux. Je vais passer vite parce que c'est une thématique qui est quand même éclairée depuis plusieurs années dans le débat public. L'autre inconvénient, c'est la question financière, parce qu'un aidant familial actuellement va être dédommagé entre 4 et 6 euros de l'heure. Voilà. Donc on va dire qu'il ne va pas devenir riche grâce à ce dédommagement. L'autre inconvénient, ça va être la question des droits sociaux. C'est que l'aidant familial n'est pas un salarié quand il perçoit ce dédommagement. Donc derrière, il n'a pas les droits qu'on peut avoir en tant que salarié. Par exemple, la retraite, le chômage, la formation professionnelle, etc.
Et enfin, voilà, il y a la question des relations familiales. Là, pareil, je ne rentre pas dans les détails parce que voilà, ce sont des thématiques qui ont été déjà largement abordées. Voilà. Donc, en conclusion, l'aidant familial, ben, vous connaissez les personnes. Voilà. Donc là, il y a moins d'enjeux que par rapport au service prestataire ou l'emploi direct. Mais vous prenez le risque voilà, de dégrader les relations familiales. Voilà un petit peu voilà, les généralités qu'on peut dire voilà, sur les trois modes d'organisation qui sont possibles avec la PCH. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur le particulier employeur en situation de handicap. Il s'avère qu'au fil du temps, dès que la PCH est mise en place, on a vu très vite arriver des personnes qui avaient des besoins très importants, donc qui avaient de l'aide humaine 24 heures sur 24, faire le choix de devenir employeur. Ce n'est pas qu'elles avaient envie d'être patron, c'est juste qu'elles pensaient que ça serait le mode le plus simple pour mener la vie comme elles l'entendent. Et surtout avoir des auxiliaires de vie qui ne vont pas tourner. Surtout avoir quelqu'un qu'elles vont pouvoir former et faire travailler selon leurs besoins. Simplement, ce n'est pas parce qu'on a une reconnaissance de ses besoins, ce n'est pas parce que la PCH permet de solvabiliser qu'on a la science infuse et qu'on devient employeur. Donc là, on se retrouve dans un contexte fou où on a la personne en situation de handicap qui est dépendante, qui va devoir être confrontée à toute une législation qui concerne la compensation des conséquences du handicap, ce qu'on appelle la PCH, et si elle fait le choix d'être employeur, cette personne autonome qui va décider d'organiser son aide humaine va être confrontée à une convention collective pour organiser tout ce mode de travail. Et là, on a vu toutes les difficultés pour les personnes confrontées d'un seul coup à ce mode d'organisation. Mais elles ont fait le choix de le maintenir. C'est pour ça que, du coup, au fil du temps, nous nous sommes intéressés à comment est-ce qu'on pouvait accompagner ces particuliers employeurs, à la fois sur la fonction employeur et à la fois dans le monde du handicap, sur la PCH. Alors là, je vais vous faire un focus, alors je reprends ma casquette, hein, responsable de développement mandataire, sur ce qu'est le mode mandataire. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on pouvait faire voilà, appel à un service prestataire, à l'emploi direct ou à un aidant familial. Et quand on fait appel, qu'on a recours à l'emploi direct, on peut être aidé par un service mandataire. Donc l'idée du service mandataire, c'est à chaque fois de pouvoir intervenir en amont des décisions et des choix du particulier employeur. Voilà. Donc on vous a mis un petit schéma qui explique, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée, voilà, c'est que la personne est bien employeur de ses assistants de vie, mais elle va avoir un appui sur tous les aspects liés à la fonction d'employeur. Donc quand il faut recruter, quand il faut assurer les démarches administratives, quand il faut remplacer, même la question de rompre le contrat de travail de son salarié, c'est pas évident, et des fois voilà, ça peut arriver qu'on ait besoin de mettre fin à la relation de travail. Donc à chaque fois, voilà, le service mandataire va être en posture de conseil et d'accompagnement de la personne pour qu'elle puisse décider, mais en fait avoir un choix qui est éclairé. Voilà. Et également, l'idée, c'est de pouvoir soulager, voilà, parce qu'être particulier employeur, c'est complexe. Par exemple, nous, on connaît des personnes qui vont avoir des fois jusqu'à 10 salariés qui se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Donc, ce sont des vrais, véritables chefs d'entreprise, finalement. Et donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir avoir un appui et que la personne qui a recours à l'emploi direct ne se retrouve pas isolée, soit face à ses salariés, soit face à la complexité du droit du travail, de la législation qui évolue régulièrement. Et ensuite, au niveau d'APF France Handicap, on a souhaité développer une offre de services mandataires spécialisée pour les particuliers employeurs en situation de handicap. Parce qu'en fait, des services mandataires, il en existe plein, et qui peuvent vous aider, par exemple, sur la garde de vos enfants, sur une aide ménagère, etc. Voilà. Sauf que quand vous êtes particulier employeur en situation de handicap avec la PCH, vous allez avoir des spécificités, et c'est pour ça voilà, qu'on a souhaité réfléchir et développer cette offre spécifique. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais lancer une petite vidéo très courte qui présente un petit peu cette offre de service. Alors, on va voir si techniquement... APF France Handicap lance le service mandataire, MandAPF.
Il offre aux personnes en situation de handicap souhaitant utiliser l'emploi direct une nouvelle solution, simplifiée et sécurisante. Vous décidez de recruter le personnel et d'organiser les horaires d'intervention. Avec MandatPF, vous bénéficiez de conseils spécialisés handicap et d'un soutien personnalisé pour vous accompagner dans l'organisation et la gestion de votre aide humaine en emploi direct. Comment ? En tant qu'employeur, vous assurez les responsabilités inhérentes à la fonction, comme le respect du droit du travail, le management, et vous conservez votre liberté de choix sur le personnel et les conditions de travail. MandatPF vous aide et vous accompagne sur la recherche de candidats pour vous faciliter le recrutement, l'établissement des contrats de travail, les démarches administratives liées à l'emploi de personnel comme les bulletins de salaire, les démarches CESU ou encore la médecine du travail, les procédures d'embauche ou de fin de contrat. MandatPF vous aide aussi sur la gestion du personnel en cas de remplacement ou de conflit et vous offre un appui juridique ainsi qu'un soutien dans l'accès aux droits liés au handicap. Enfin, si vous bénéficiez de la prestation de compensation du handicap, le service MandatPF ne vous coûtera rien. Contactez-nous, nous avons des solutions adaptées à votre situation. Dans tous les cas, vos ressources personnelles seront préservées. Choisir MandatPF, c'est la garantie de rester maître de ses choix en toute sécurité. Pour toute information, consultez notre site internet. Donc bien sûr, hein, cette vidéo, elle n'a pas vocation à dire qu'il faut faire de l'emploi direct. Hein. C'est absolument pas notre propos. Simplement, comme je le dis, on s'est retrouvé face à des personnes qui ont fait ce choix et en fait, rien n'était vraiment mobilisé. Alors, que ce soit sur la question de l'accompagnement dans la démarche pour obtenir la compensation, la PCH aide humaine, vous pouvez contacter nos services. En fait, leur premier travail, c'est celui-là. Vous n'avez pas besoin d'être adhérent, vous n'avez pas besoin de faire de l'emploi direct, et même si vous souhaitez après organiser votre aide humaine avec un service prestataire, nos équipes, MandatPF, sont là pour vous accompagner. Voilà, donc quand vous irez sur le site, vous verrez, il y a une petite carte, là où nous sommes basés, dans une quarantaine de départements. Notre premier propos, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui ont des besoins en termes d'aide humaine aient au maximum une réponse à ces besoins. Pardon. Alors, le coût est pris en charge par la prestation de compensation du handicap. En fait, quand la personne choisit de faire de l'emploi direct, elle a ce qu'on appelle la PCH emploi direct. Si elle choisit d'être accompagnée par un service mandataire, en fait, on va lui rajouter 10% du montant de la somme en emploi direct, et ces 10% sont nos frais de gestion. Alors, quand on parle, dans le slide précédent, de zéro reste à charge, ce n'est pas zéro reste à charge sur la fonction employeur, c'est qu'on a pris une posture à la PF quand on a créé ces services, qu'on ne demandera pas un euro qui vienne de la poche des personnes, et que tout notre financement sera celui de la prestation de compensation du handicap. Voilà. Il y a déjà des restes à charge liés à la fonction employeur, il n'était pas question pour nous d'en rajouter. Pardon ? Alors, ça dépend du nombre d'heures, en fait. Si la personne a de l'aide humaine 24 heures sur 24, elle va avoir une enveloppe juste en emploi direct, on va être à quoi ? 7 000 ? 7 000 euros. Là-dessus, on va rajouter 700 euros qui sont les 10% que j'ai expliqués, et c'est ces 700 euros qui nous reviennent. Mais elle ne peut pas les utiliser autrement. Voilà, c'est vraiment dédié à payer les frais de gestion des services. Voilà. Nous, on a fait le choix de se caler sur les montants et tarifs de la PCH, ce qui n'est pas le cas d'autres services. Qui peuvent, pour la même chose, demander plus que ces 10%. Voilà, c'était ça le zéro reste à charge et le coût. J'ai été clair ?